Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour Lily. Lily? Tu dis bonjour? Bonjour. Donc on est lundi, on va aller à l'école. Aujourd'hui les enfants ne vont pas à la cantine. Hein, Bichette? Bah oui, voilà ce qui arrive quand on sort toutes les chaussures, Lily. Parce qu'on est lundi. Ouais, on est lundi, puis j'y vais pas. Maman, dans ma chambre, il y a une coccinelle accrochée à mon lit. Bah, elle avait dit qu'on la ferait sortir. Hier, elle était accrochée au mur au-dessus de mon truc, ma pauvre terreur. Maintenant, elle est dans mon lit accrochée au bout là qui est remontée. Ah, je savais pas. Je l'ai pas vue, moi. Elle est belle, c'est une jaune. D'accord. Et des points noirs. Ok. Elle doit avoir 10-15 points, un truc comme ça. Ok. Et ben, on va à l'école là, Lily? Oui. Oui? Allez, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou. Donc je suis en train de sortir Jules. J'ai vraiment mes cheveux qui sont tout sales, faut vraiment que je les lave. Je suis tombée sur une de mes voisines qui a un chien. Donc je lui ai posé la question. Est-ce qu'elle aussi elle se faisait agresser par les personnes qui n'arrêtent pas de me gonfler? Et non. Voilà. Donc c'est moi qui dois avoir une tête qui ne leur revient pas. Ou sinon, comme j'ai dit à la dame, elle est plus âgée que moi. Alors peut-être que du coup, comme elle est plus âgée, ils osent rien lui dire et que bah ils s'en prennent à moi. Ce qui est fort probable, je pense, parce que j'ai souvent eu le cas qu'on s'en prenait à moi parce que j'étais jeune et les personnes plus âgées ou les mamies, on leur disait rien. Alors j'ai rien contre les mamies, hein, pas du tout, mais enfin bon, on va pas en parler pendant des heures et des heures, mais la bêtise humaine me fera toujours halluciner. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire, j'ai du ménage, je suis pas du tout motivée, puis je suis fatiguée en ce moment, je prends pas le temps de boire correctement, je le vois en fait avec mon application que j'utilise, je bois pas du tout assez et je sais que ben, le fait d'être déshydratée ça fatigue énormément, donc c'est ce qui est mon cas, donc là je suis au bout du rouleau, hein. Je dis ça en rigolant mais je suis vraiment très fatiguée là, donc bon je vais me forcer à boire et je vais ranger tout ce que je dois ranger que j'ai pas fait hier soir et j'ai encore mon linge qui m'attend, que j'ai pas fini parce que j'en ai énormément, puisque comme j'ai racheté des trucs. J'ai des machines à faire, j'ai du boulot. Et demain après-midi, je suis pas là. Demain matin, je suis peut-être pas là parce qu'il y a un truc avec l'école, ça dure 2 heures. Donc il faut que j'amène Lily plutôt à l'école. Et en gros, ça finit à 11h30, donc demain ma journée elle est bouclée. Je sais pas si je pourrais rester toute la matinée, mais ça va durer longtemps. Et puis bah après, la semaine va encore passer super vite. Voilà, et puis il faut que je passe à la poste, j'ai des colis à poster aussi pour ma boutique. Voilà, bon ben je vous laisse, Julie va faire son petit tour et moi je vais ramasser mes sacs à caca que je vais jeter dans ma poubelle, bien évidemment. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hey. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce matin? Pas grand-chose. On a été en récré. Enfin, avant la récré, on a fait des maths, du français. La conjugaison, la grammaire, on a fait des trucs comme ça. Après, on est allé en récré. Attends, Lucas, il me parle. Après, on est allé en récré. Après la récré, on est rentré en classe. On a accueilli les personnes des différents pays. De la délégation, c'est ça? Oui. Ouais. Après, on a été répété et maintenant on est là. Ok. Et toi, tu as fait quoi? Et toi, Lily? En fait, moi, j'étais apportée à l'école. J'ai mis ma étiquette. Oui, tu me donnes la main, on est sur le parking. Et après, j'ai joué. Oui. Et après, j'ai fait le gravel. Et après, j'ai fait la dette. Et après, c'est allé à... Je suis allée mettre ma étiquette. J'ai mis ma étiquette. J'ai joué. Et après, je suis allée faire l'anglais dans la ville. Tu es sortie? Ouais. D'accord. Mais on était à côté de la grande pote avec les fleurs. Piano. Oui, d'accord. Et après, je suis allée en récré.
l'école et si on rentrait, si aller en récré, si aller encore, si aller faire la date et après si aller faire mon travail et après j'ai joué, mais non, j'ai joué, mais oui, on a et j'ai joué et même que j'ai rentré. Tu es rentrée? Ok. Cookie, ça va? Je sais pas si vous voyez où il est, hein. Comment il est posé, hein? T'es toujours dans des positions, mon pauvre loulou. Toujours, hein. Et Julie, il est content? Ah, mon cœur. Je suis rentrée? Ouais, je suis rentrée. Je viens d'aller chercher les enfants à l'école. Oh là là. Il fait pas chaud dehors, mais mon pull est super chaud, donc là je bouffe, je vais l'enlever. Oh, j'ai oublié de mettre les trucs, et ben voilà, il s'est bloqué. Bon, de toute façon c'est à peu près bon, faudrait que je le vide et je finirai de faire l'aspirateur moi-même. Après vous êtes plusieurs à me demander à chaque fois des retours sur l'aspirateur. Il est très bien, il est très très bien, c'est juste que... Oui, il faut que je le vide. C'est juste qu'en fait, c'est pas du tout une nouvelle génération. Donc, les nouveaux sont plus pratiques. Voilà. Mais nous, on l'a eu quand il y avait une grosse promo. Donc, c'est pas grave, ça nous convient largement. On le descend d'une pièce à l'autre. Après, l'avantage qu'on a, c'est que les nouveaux, ils peuvent cartographier en fait les pièces. Et nous, comme on a une grande maison sur trois niveaux... c'est plus pratique, ils cartographient pas parce qu'en fait normalement, enfin je crois pas que ça existe, mais tous ceux que j'avais vus, ils cartographiaient une pièce et en fait à chaque fois il faut qu'ils recartographient tout. Donc nous c'est pas pratique parce que je le mets en bas, je le mets ici et je le mets aussi en haut. Donc c'est pas pratique. C'est juste qu'après par contre il se bloque sous la plinthe ici et à côté du piano là-bas parce que Rémi a pas encore mis les plinthes de la cuisine, comme les corniches aussi en haut là-bas. Si vous voulez, il va y avoir des corniches comme... Bon, ça sera des corniches spéciales, mais il va y avoir des corniches en fait comme dans les cuisines américaines. Voilà. Donc si ça veut bien focusser dessus. Voilà. Donc il va y avoir des corniches à peu près comme ça là. Sur le haut, il faudrait les poser. Moi j'aimerais bien les poser, mais j'arrive pas à les couper quand je voulais utiliser la scie sauteuse ou la scie circulaire. Je sais plus non, j'ai fait me couper un bras quand on faisait le parquet, donc j'ai abandonné. Voilà. Mais du coup ça se bloque ici et ça se bloque aussi sous notre lit parce qu'on a le lit, un lit Ikea en version très bas, c'est le Malm, je sais pas comment ça se dit mais c'est voilà. Et le truc c'est qu'en fait au milieu comme il est très grand, il y a une grosse barre en fer dessous et en fait à chaque fois l'aspirateur se bloque dessus. Donc pour éviter ça on a deux balises, mais bon bah si on la positionne pas forcément très bien ou si les chats jouent avec la balise, et ben ça se barre. Enfin bon. Voilà, donc ce matin j'ai fait mon ménage, j'ai pas encore eu le temps de tout finir. En fait c'est tous les vêtements qui ne vont plus aux enfants. Donc comme vous pouvez le constater, j'en ai pas mal, j'en ai encore dans la chambre de Lucas. Donc en fait tous ces trucs là, c'est des vêtements qu'il faut que je prenne en photo et que je mette en vente. Voilà. Donc ça c'est pas du linge à proprement parler à faire. Il y a ce pull aussi à moi qui me va plus. J'ai trop pris de niveau poitrine. Donc ça il me va plus. Et voilà. Bon ben je vous laisse, je vais faire à manger. Je vais défaire mon pull parce que j'ai super chaud. Puis ben on se retrouve tout à l'heure. Cet après-midi j'ai encore du boulot. Donc je sais pas trop ce que je vais vous vlogger. Parce que si je veux être efficace, je mets la tête dans l'ordinateur entre guillemets. Et je n'en sors pas, mais le truc c'est que forcément quand je fais ça je n'ai pas le temps de vlogger, hein. Puis c'est pas spécialement intéressant de me vloguer en train de bosser sur l'ordinateur, il n'y a rien de palpitant, c'est... Voilà. Et puis ce soir ou cet après-midi si j'ai la foi, je pense que cet après-midi en rentrant de l'école, faut que je m'occupe de ça là, de cette crinière là, c'est pas possible. Et je me passe un petit masque aussi, ça me fera pas de mal. Je pense que je vais regarder pour une petite recette de masque à l'argile. Ça sera cool. Et aussi, tiens, tant que j'y pense, je le vois, faut que je le teste d'ailleurs. J'ai reçu de la part de Octoly et de la marque Arbosambé des gélules. Qu'est-ce que c'est que ces petites gélules? Et cette biquette là. Donc qu'est-ce que c'est que ces petites gélules? C'est le complexe HCO. HC01.
qui en fait contribue à la relaxation, contribue à une relaxation optimale et améliore la qualité du sommeil. En fait, dedans, il y a de la mélatonine, c'est comme ça que ça se dit. C'est ça. Il y a de la mélatonine qui permet de favoriser l'endormissement. Donc si vous suivez les vlogs, vous devez savoir que j'ai un petit peu de mal à dormir, que je me réveille aussi très facilement. J'ai un sommeil très léger. Enfin, je dors pas en fait. Si vous voulez, quand je dors, j'ai pas l'impression d'être reposée. Donc je me suis posé la question de savoir s'il fallait pas que je change un petit peu l'organisation de la chambre, parce qu'il y a plein de bazar qui traîne, enfin il y a rien de fini, il y a des plantes dans un côté, enfin c'est voilà. Je sais pas si ça vient de ça, je sais pas si ça vient du fait que je pense à 36 000 trucs, ça a toujours été mon souci, je pense à trop de choses en même temps et j'arrive pas à, je sais pas mettre mon cerveau sur pause, enfin... Celles qui savent comment, si vous êtes comme moi, vous devez comprendre ce que je veux dire. Les autres doivent me prendre pour une tarée. Mais je pense toujours à 36 000 trucs en même temps en fait. Qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je fasse ça, 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 ça. Et j'ai beau en fait me mettre des mots, des post-it, enfin de me marquer sur mon agenda, sur mon téléphone, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Je suis toujours en train de penser. Et en fait, je dors très mal. Donc... Quand j'ai vu qu'il y avait ça à tester sur Octoly, j'ai dit ça c'est pour moi. Donc c'est végétal, il n'y a pas de gluten dedans, il n'y a pas de lait, je sais plus où c'est marqué, mais il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale dedans. Voilà, donc je vais tester ces deux gélules le soir, donc du coup j'en ai pour 15 jours et ça commence à faire effet au bout de 15 jours normalement. Peut-être même avant. Donc du coup, je vous en parlerai. Puis je verrai du coup si ça fonctionne ou pas. Voilà. Parce que je sais qu'on est plusieurs à mal dormir. Donc peut-être que ça vous aidera. Qui sait. Coucou. Je vais chercher les enfants à l'école. Et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je ne sais... C'est Cookie là. Je sais pas pourquoi ma commande... Redoute a été annulée. J'avais une carte cadeau et j'ai payé par carte bleue pour le restant. Il y avait 7 euros de restant. Je sais pas pourquoi elle a été annulée. Donc j'ai envoyé un mail, mais bon, j'ai pas eu de réponse. Je vous avouerai que j'ai la flemme de les appeler parce que je sais très bien comment ça fonctionne. C'est un numéro qui est surtaxé, mais je sais pas combien de temps pour les avoir pour pas avoir de réponse. Donc je suis ravie. J'espère que c'est pas il y a quelques temps, c'était ma dernière commande, j'avais pas commandé depuis. Alors si c'est ça, je referai un compte avec le nom de Rémi. Je vois pas d'autre solution, je demanderai à ma mère de commander à ma place. Sinon, parce que la carte elle est pas nominative, la carte Redoute. J'avais fait une commande, j'avais renvoyé en fait un pyjama de Lucas. Et on m'avait dit que j'avais pas tout renvoyé. Donc il me gonflait alors que j'avais tout renvoyé, c'était pendant l'été. Et du coup, j'ai mis ma veste là-bas. Du coup, il m'avait au final, ils avaient laissé tomber. Mais je comprends pas en fait pourquoi ils ont annulé cette commande. La carte est valide, l'article est encore en stock. J'ai de l'argent sur mon compte, je ne comprends pas. Donc une fois, ils m'avaient fait le coup, je me rappelle. Parce qu'en plus, je suis une bonne cliente, Redoute. J'en ai commandé des trucs, et pas qu'un peu. On a quand même commandé notre canapé, voilà, qui coûtait bien cher et qui coûte toujours bien cher. Donc je sais pas, je verrai tout à l'heure ce que ça va donner. Là, je vais chercher les enfants à l'école. Et puis du coup, je vais essayer ce soir de voir si je peux pas commander en faisant un compte pour Rémi. Puis si ça marche pas, et je verrai avec ma maman parce que c'est cette couette là qu'il aime bien. Et comme je cherche une couette en 200 sur 200, j'en trouve pas partout en fait. C'est une taille, c'est pas une taille standard qu'on trouve partout. Donc je verrai. Voilà, mais j'étais dégoûtée, énervée. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc quoi. Donc voilà, c'est super. Bon, je vous laisse parce que il est temps d'aller à l'école là. Mes enfants sont en train de jouer dans la salle de jeu. Et je vais faire mon repassage et je suis en train de regarder il y a Maxime Makeup qui va participer fin novembre je crois à c'est mon plus beau Noël, voilà c'est ça. Et moi j'adore Noël, si vous me suivez vous savez que j'adore Noël. Je me demande si ce week-end on va pas mettre le sapin parce que Lucas n'arrête pas de me réclamer, lui aussi qu'on a envie de profiter. Mais je pense qu'on arrivera plutôt, je sais pas si on le gardera jusqu'à l'anniversaire de Rémi comme on fait tout le temps. Et Rémi il est né le 31 janvier.
je pense pas. Et ouais, ça me fait rire cette émission, ça me fait rire. Ça me fait un petit clin d'œil parce qu'en fait l'année dernière j'avais été contactée pour le faire. Et j'ai refusé, j'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire que de faire une émission. Enfin voilà, et même cette année j'aurais pas du tout le temps de le faire. C'était... voilà, clairement. Mais après j'aime bien regarder, voilà. Ça peut donner des idées et tout quoi. Noël, c'est bien l'un des seuls trucs où j'ai vraiment envie de décorer la maison à fond. Donc il va y en avoir pas partout, mais il va y avoir un truc sur la table. Ça va m'obliger à ranger la table, sur la console, dans la salle de jeu des enfants. Donc le sapin, il y a la guirlande qui sera là. Et sur l'escalier, je mets aussi des guirlandes de faux sapins. Et voilà, et j'adore, franchement j'adore. Si je pouvais mettre des fausses bougies partout, enfin, j'adore la magie de Noël, ça c'est un truc que je sais pas. J'adore aller me balader dans les rues pour voir les illuminations, les marchés de Noël, tous ces trucs-là, je kiffe. Et cette année, j'ai vraiment envie, je sais pas si j'en trouverai, mais j'ai vraiment envie d'acheter des pulls de Noël. Voilà, j'adore. Après moi, par contre, niveau couleur, c'est blanc, doré, pas plus. Peut-être que je rajouterai au fil des années quelques touches de rouge, mais je suis très très simple, c'est Noël ouais, blanc doré, je trouve que c'est tellement joli. Enfin bon, du coup je vous laisse, hein. J'ai mon linge qui m'attend, ça c'est ce que j'avais déjà fait. Donc ça c'est les vêtements de la louloute qu'il faut que j'aille mettre dans son armoire. Et là j'étais en train de commencer à repasser avec un cookie qui est en plein milieu. Un cookie, c'est ma table à repasser. C'est pas la tienne. C'est pas la tienne. Hein mon gros? Bah oui. Et ta soeur elle est où? Oh là là. Oh là là. Oh là là ma belle. Oh, oh ma chérie. Que t'es belle. Que t'es belle. Oh oui. Ah regardez-moi le levage de Babine. Elle aime pas quand on la touche, cracotte. Elle est pas très câlin, cracotte. Hein, ma belle. Mouais. Bon, allez, c'est parti. On peut plus rentrer ici? Ah, on est en train de faire une escorte, en fait. Je vais faire une escorte. Ah. Avant, c'était les joueurs bleus qu'on escortait. Ok. On va aller au dodo, les loulous? Parce que là, c'est l'heure, hein. Ok? Tu fais ça, puis on va aller au dodo, parce que là, c'est l'heure. C'est une escorte. Ah, Lucas? Ta couette, je sais pas si tu pourras l'avoir parce que la redoute m'a annulé la commande, je sais pas pourquoi. Donc je vais chercher une solution où j'en trouverai peut-être une autre de couette. Je suis désolée. On verra du coup. Bon bah du coup on vous dit à demain, les enfants sont en train de finir de faire leur petite partie et puis bah au dodo, hein. Donc on vous fait de gros bisous, on espère que vous avez aimé la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir et on vous remercie de nous suivre au quotidien. Gros bisous. Live.